Bonjour, c'est la grenouille au micro. Celle qui farfouille devant les châteaux. Je parle de la pluie et du beau temps. En direct depuis la cour des grands. Dans tout leur domaine, ils sont les rois et les reines. Mots flatteurs et pluie d'éloges, je suis toujours aux premières loges pour commenter dans l'allégresse les derniers potins de ses altesses. Je ne suis pas censé tout raconter sur nos chères têtes couronnées. Aussi, je compte sur votre discrétion pour ne pas le répéter à la maison. Si je ne veux pas finir dans son estomac entre un gigot et un mocha, il va vraiment falloir que je rentre. Miam Miam a les yeux plus gros que le ventre. Bienvenue chez nos amis les rois et les reines. Ce matin, le roi Miam Miam s'est réveillé avec une faim monstrueuse. Entre nous, je n'échangerai pas ma place avec celle de son cuisinier. J'ai faim. Dépêchez-vous ! En cuisiner ! Rôtissez, saucez, cuisez, hein ! Parfait ! En place et au pas de course ! Voici, pour commencer votre lourdeur, le gigot d'ornithorynx en sauce goulafre. Oh. Oh. Parfait. La suite. Il n'y a plus rien, votre gloutonnerie, vous avez tout englouti. Comment ça? Vous voulez que je descende me servir tout seul? Splash. Vous dévorez votre repas de midi, ceux de demain et ceux d'après-demain. Non, ça va. Et la suite de mon petit déjeuner? C'est l'heure de votre promenade, votre importance. Ah, parfait. Justement, je me sens un peu lourd. Faites-moi sortir d'ici! Je sens... Je sens qu'il y a par ici de quoi me préparer un petit encas! Trouvez-moi à manger, ou sinon... Seule la reine Cache-Cache saurait comment éviter le pire. Il faut absolument aller la chercher. Ça y est, j'ai tout caché. Rien là non plus, c'est bizarre. On dirait que j'ai perdu mon flair. Faute de munitions, il va cesser de manger. J'avais oublié que mon château est en bouquin. Vite, vite. Rendez-lui la nourriture que vous avez cachée ou tout va s'écrouler. Il faut l'aider à sortir de là. Oh. La reine Cache-Cache, elle est peut-être coincée. Je ne vois qu'une solution, manger les décombres de mon château. Vous me cherchiez? Mais c'est vrai que vous traversez les murs. J'étais si affamé que j'ai failli tout manger. Espérons que cette aventure vous aura coupé l'appétit. Pour l'instant, en tout cas. Ouf, s'il avait continué, combien aurait-il pesé? Entre nous, hop là,
Le grand miam miam est boursouflé, sûr qu'un jour il va éclater. Quand il s'assied sur votre chapeau, reste plus qu'un rond de plateau. Longue vie au roi et aux reines, ils ont comme nous des joies de peine, mais ils ont de si beaux châteaux et aussi de gros défauts. Chantons, chantons, qu'ils soient toujours comme ils sont. Mais entre nous, tous les potins, les écomondes, c'est ma tasse de thé, c'est mon gagne-pain.